Monsieur le Président, suite à la décision du tribunal administratif d'annuler votre budget 2016, vous avez été contraint de saisir le préfet, qui a lui-même saisi la Chambre régionale des comptes, et celle-ci vous a obligé à l'affichage de cette décision aux citoyens. C'est marrant d'ailleurs, parce que vous avez moins acheté d'encarts publicitaires sur ça que sur le fait d'être la première région de France. Mais enfin, passons. Et vous deviez faire amende honorable devant les conseillers régionaux, c'est ce que vous faites maintenant. Alors nous sommes enclins à accepter vos excuses si celles-ci sont accompagnées d'un réel changement de méthode lors de la présentation du budget en décembre. Nous sommes prêts à travailler intelligemment avec vous à la réussite de notre région, mais jusqu'à présent nous n'y avons pas été invités. Des commissions qui ne durent que 30 minutes sur les 2 heures prévues, des subventions décidées en catimini par la majorité, des rapports remis à la dernière minute, c'est tout cela qu'il faut changer, Monsieur Wauquiez, pour réintroduire la démocratie au sein de cette Assemblée qui en manque cruellement. Or, la démocratie, ce n'est pas quelque chose que la République a inventé pour vous embêter, Monsieur Wauquiez. C'est ce qui garantit que le bien commun est défendu au sein de nos institutions. Il ne faut pas la craindre, il faut y voir une aide précieuse au bon exercice du pouvoir. J'espère que vous ne minimiserez pas le sens de ce rappel à l'ordre. Merci beaucoup. Juste là-dessus, et encore une fois, on va être très simple, il y a une erreur qui a été commise. Il y a une annulation par une décision de justice, on corrige, et c'est parfaitement normal. Il est d'ailleurs assez vraisemblable qu'on aura exactement...